Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué. Alors vous allez voir, c'est un tour de cartes qui allie en même temps prédiction, cartes au nombre. Bref, vraiment un package d'effets vraiment très sympa. Pourtant, pas beaucoup de manipulation, vraiment ça reste relativement automatique. Ça peut bluffer les magiciens et encore plus les spectateurs lambda. Vous allez voir, je pense que vous allez adorer, la routine en elle-même est vraiment bien construite. Franchement c'est vraiment très bon. Comme d'hab, je vous laisse avec la démo. Et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Comme d'habitude, c'est une vidéo du lundi, donc c'est une vidéo réservée aux membres premium. Et d'ailleurs, je vous remercie vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir via la souscription premium. Et comme je l'ai dit dans un précédent post, je m'investis vraiment beaucoup là-dedans en essayant justement de reconstruire totalement de A à Z l'école de magie pour que ça soit beaucoup plus agréable pour vous. Vous verrez les évolutions dans l'avenir que je vous partagerai directement via les posts premium. Bref, tout ça pour vous dire que vraiment, voilà, c'est vraiment beaucoup de travail. Et que je le fais par passion et vraiment le fait que vous me soutenez comme ça, eh ben je peux que vous remercier et ça me motive d'autant plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires, il y a tous les liens qu'il faut pour les réseaux sociaux, l'école de magie, la plateforme de VOD. Et surtout pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la petite cloche là pour être notifié des futures vidéos qui seront mises en ligne pour ne rien rater. Allez, je vous laisse tout de suite avec les démos, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo. Et avant de commencer, regardez bien, j'ai un jeu de cartes que j'ai tout simplement posé sur la table et je ne vais pas toucher le jeu, c'est les spectateurs qui vont participer. Alors normalement ça se fait avec deux spectateurs, chaque spectateur va choisir une carte. Donc le premier spectateur, je vais lui demander tout simplement, moi je peux même me tourner, hein, de couper le jeu, on va dire à un tiers du paquet. Donc il coupe vraiment à un tiers à peu près, donc il n'y a que lui qui puisse savoir. Alors on va dire par ici, parfait, il prend connaissance de la carte, donc moi je ne la vois pas. Voilà, vous la mémorisez, très bien, ça sera la première carte. Et là le deuxième spectateur fait de même, moi je touche pas le jeu, hein. Et là je lui dis allez, qu'il coupe le jeu, un gros paquet par exemple, il coupe. Voilà, un beau paquet, il prend connaissance de sa carte, juste ici, parfait, au moins, là, c'est clair. Donc là, moi, je me retourne, je récupère, et on est d'accord que les spectateurs ont choisi deux cartes que je ne peux pas connaître, puisque je suis tourné à la base, hein. Et regardez bien ce qui va se passer, juste en claquant des doigts, comme ceci, deux cartes vont passer face en l'air, deux cartes. En fait, oui, deux cartes, ce sont en fait les jokers, hein. J'ai jamais dit que ce seraient vos cartes, mais c'est bien les jokers. Alors on va les sortir un par un, comme ceci, voilà, là le premier joker. Et on en a un deuxième tout doucement, hein. Je veux pas trop, je fais ça à la pointe des doigts, comme ceci, le deuxième joker, d'accord. Donc là, pour le coup, personne ne peut connaître où se trouvent les cartes, puisqu'elles ont été choisies de façon aléatoire par les spectateurs. Pourtant, grâce à mes deux jokers, qui sont mes assistants, je vais pouvoir retrouver vos cartes. Très simplement, regardez, je prends le premier joker et je vais écouter ce qu'il me dit. Alors là, il me parle, hein. Alors là, il m'a dit 18. 18, ça serait fort, hein, si je prenais le paquet et que je comptais 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On va la laisser de côté sur le premier joker, hein, qui m'a dit 18. Celui-ci, il me parle aussi. Il me dit 43 celui-là, 43. On va l'écouter, on continue. Alors on était à 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Là vous vous demandez sûrement, mais pourquoi il sort des chiffres au hasard soit disant que c'est les jokers. Première carte annoncée par le joker, 18. C'est bien la carte du spectateur, la première, et la 43, on est bien sur la deuxième carte du deuxième spectateur. Et ce qui est encore plus fort, c'est que non seulement les cartes se trouvent aux chiffres et aux nombres annoncés plutôt par les spectateurs, mais non seulement ces nombres étaient bien prévus et inscrits en prédiction sur les jokers. Et bien sûr, tout le jeu peut être donné à l'examen, il n'y a rien à voir, et là c'est un vrai petit miracle.